Salut à tous les amis, c'est Learn2Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et je suis de retour après 3-4 jours d'absence hein. Mais ne vous inquiétez pas, j'étais quand même actif, j'ai lu vos commentaires on m'a posé quelques questions auxquelles donc j'ai pas répondu, enfin j'ai lu les commentaires mais j'ai pas répondu à l'écrit. Donc on m'a demandé, alors je m'en souviens plus de tous mais je m'en souviens de un qui me demandait quand vais-je utiliser ma nouvelle introduction. Alors je pense quand j'aurai ma carte déjà et quand je ferai de nouvelles séries, on va dire. Pour l'instant je vais garder mon ancienne intro, hein, celle qui est un petit peu moisie, mais aussi quand j'aurai trouvé de nouvelles miniatures. Alors parce qu'en fait j'arrête pas de me casser la tête à essayer de trouver des miniatures puisque celles que j'ai déjà, voilà quoi, pour moi elles sont pas satisfaisantes. Mais donc voilà, je me demandais si vous aviez des idées concernant les miniatures. Par exemple, est-ce que vous préférez une image du jeu, donc une capture d'écran ou n'importe quoi, enfin quelque chose par rapport au jeu, ou alors un truc fait avec... Enfin, de toute manière, c'est fait avec un logiciel, mais je veux dire, soit alors un truc très sobre avec un fond blanc, enfin un fond de couleur, l'écriture, et puis... Enfin, vous voyez quoi. Lequel vous satisferait le plus, en gros. Voilà, donc répondez-moi dans les commentaires, et puis je verrai ça. Je me ferai ça un petit week-end, tranquillou, parce que j'ai vraiment envie de changement au niveau design. Bref, donc on se retrouve sur StarCraft. Alors, normalement, je voulais... Ah merde, j'ai mis les infos. Messieurs, c'est une triste journée pour nous à l'UNN. J'ai le regret de vous informer que la nuit dernière, Donnie Vermillion a dû être interné au centre psychiatrique du Dominion de Coral. Même non. Si la nature de sa soudaine affliction reste inconnue, nous savons qu'il a été trouvé vêtu uniquement de ses chaussettes et qu'il aurait été en possession du programme de l'empereur Mengsk et d'une livre de beurre de cacahuète. Nous sommes avec vous, Donnie, et nous souhaitons un prompt rétablissement. Dans l'intervalle, je vais prendre la relève en tant que présentatrice principale de l'UNN. C'était Kate Lockwell pour l'UNN. Wouh ! Ouais ! Ah, on est d'accord, c'était un parfait connard. Bref. Donc normalement, si je dis pas de conneries, si je vais dans rapport, voilà, c'est The Last Mission. Voilà, on va enfin terminer StarCraft 2. Ça faisait un temps, ouais, je voulais le terminer parce que moi j'avais jamais fait la campagne. Et là, j'ai envie de voir la fin. Hein, surtout qu'ils vont nous sortir une cinématique de. Une cinématique hollywoodienne, j'ai envie de dire. Hein. Bon, on va voir tout ça après la mission. J'espère que ça va pas être trop dur, mais d'abord, on va voir. Je pensais pas remettre les pieds dans ce trou à rats. Ok, on va interroger Warfield. Toutes ces années, Mengs que vous a décrit comme le diable en personne. Mais je vous ai vu risquer votre peau pour des gars qui, en d'autres circonstances, auraient été à vos trousses. C'est votre empereur qui aurait dû se faire arrêter. La seule chose que je voulais, c'est que les gens puissent vivre libres. Foncez au feu avec un inconnu. Essuyez les tirs ennemis. Tenir le front au coude à coude, ça met tout le monde au même niveau. J'étais honoré de combattre à vos côtés. Ça me fait chaud au cœur, général. Oh merci, tu vas me faire rougir. Ticus, oui. Allez, dernière ligne droite. Prêt à y aller? Quand tu veux, mon pote. Putain, on va être ceux qui ont tué la reine des lames. Des vrais héros. Peut-être même que le vieux Mensk pourrait être gracié. Oublie pas un truc, Ticus. Si Valérian a raison et que l'artefact peut rendre Kerrigan humaine, je la sors de là. Tu m'as bien compris. Je comprends, Jimmy. Et je sais que tu veux croire qu'elle pourrait revenir. Mais après toutes ces horreurs, disons que... Il y en a qui méritent pas une deuxième chance. Ça, c'est moi qui vous jugerai. Bah oui, en gros, on n'est pas là pour aller la buter, non. On veut la rendre humaine. C'est pour ça qu'on a ramené cet artefact, d'ailleurs. Waouh, pour son écran. De temps à trouver tous les morceaux. Maintenant qu'ils sont rassemblés... Le machin me file sacrément les jetons. Je vois ce que tu veux dire. Quand je les regarde, c'est comme si j'entendais des voix dans ma tête. Plus tôt on en aura terminé avec ce truc, mieux ce sera. Tout à fait d'accord. Je suis d'accord. À l'heure actuelle, cet artefact est l'arme la plus importante de l'univers. Et nous allons nous en servir. J'aurais quand même préféré qu'on ait le manuel. Si ça se trouve, sans qu'on s'en rende compte, on est en train de foutre une sacrée merde dans le continuum espace-temps. Du calme, Ticus, tu nages en pleine science-fiction, là.
Starcraft, c'est de la science-fiction, alors évidemment, tu m'étonnes, putain, qu'il est con. Ok, bon, on va pouvoir y aller, on a plus rien à foutre ici, armurie. Ouais, non, j'ai plus de thunes, de toute façon, on gagne plus de thunes. Ouais, c'est terminé, de toute façon, ouais. Bon, on va faire la dernière mission, bah, c'est parti. C'est parti. Protéger l'artef. Oula. Oula, oulala. Justifié, commandant Raynor. Nous devons maintenant donner le coup de grâce. Servez-vous de l'artefact pour neutraliser la reine des lames et mettre fin à ce bain de sang. Ok, bon, il y a eu un petit bug, mais bon, c'est pas grave, on n'a rien vu. Bon, bah, normal, hein, c'est parti, y'a pas de technologie. On y va. La brigade d'ingénieurs est en train de déplacer l'artefact Xel'Naga vers la base de la ruche principale. Nous allons retrancher nos dernières défenses tout autour. Malheureusement, il va falloir un certain temps pour charger l'appareil et lancer une frappe contre la reine des lames. Oh. D'après les rapports de la Fondation Moebius, le rayonnement pulsatif de l'artefact devrait attirer les ergues. Dès qu'il sera activé, tous les ergues des environs essaieront frénétiquement de l'atteindre. On ne pourra pas résister à une attaque zergue prolongée avec ce qui nous reste. Pour ça, l'artefact lui-même pourrait aider. Toujours selon la Fondation, il pourrait libérer ce qu'ils appellent une nova d'énergie capable de tuer tout zerg dans son rayon d'action. Ah! Ouh! Wow. Mais il ça y a c'est... un certain temps de recharge après chaque utilisation. Sinon, ce serait trop facile. Il va falloir activer la nova d'énergie manuellement. Heureusement, elle émet sur une fréquence infrasonique. Donc, on devrait être insensible à ses effets. Recharge ou pas à ce stade, toute l'aide disponible sera bienvenue, général. Souvenez-vous, Kerrigan est encore là. Elle nous attend. Comment on pourrait oublier ça? Ah, oh, mais des chocs infrasoniques. Moi, ça me plaît, ça, c'est bon, ça. On va leur mettre une espèce de branlée aux ergues. Oh, ils vont rien comprendre. Des vagues d'ennemis de plus en plus dangereuses déferleront les vers de Nidus si vous les laissez en vie. Détruisez-les aussi vite que possible pour éviter d'être dépassés. Oh, mais ça, c'est qu'un détail, les vers de Nidus, quoi. De toute façon, j'ai envie de dire un truc. Suffit qu'on maxe les techs. C'est-à-dire armement niveau 1, enfin niveau 1 voire niveau 2, pareil armure niveau 1, niveau 2, et puis ça passe tout seul, on fait marines, plutôt, c'est mieux, médic, et puis pourquoi pas les banshees, allons-y, c'est parti. Hein, tant qu'à faire, oh les tu m'as apporté l'artefact Xel'Naga. Non, c'est pas vrai. C'est gentil de ta part de m'épargner l'effort de le chercher moi-même. Oh. Oh. Importante troupe zerg en approche. Mais non, ça nous c'est des zergs. Nous ne pouvons pas contenir un si grand nombre. Il va falloir utiliser l'artefact. LOL. Barbug géant. Quelle défense impressionnante. Mais loin d'être suffisante. Ça c'est ce que tu dis, mais jolie. Mes troupes sont innombrables. Et les tiennes s'amenuisent à vue d'œil. Il n'y a qu'une issue possible. Ouais, ouais, c'est ce qu'ils disent tous, de toute façon. Oh! Oh oui! Ok, bah c'est parti, là on va pouvoir travailler. Là, c'est commandant, bon ça. Les ergs vont bientôt Allez, tenter hop. De nous déborder. Vous devriez faire construire des bunkers et former de nouvelles unités dès que possible. 30 FPS, ok. Si la situation dérape, utilisez la Nova d'énergie pour nettoyer votre base. Okay, elle se recharge problème. Plutôt vite, alors n'hésitez pas à vous en servir. Ok, ok. En attendant, nous on va construire la masse de casernes parce que c'est ce qu'il va nous falloir. Toi, tu veux nous faire une deuxième armoire, hein, je crois. Ah, voilà. Et direct, tac, on fait la tech, hein, direct. Y a pas de. Les techs. Bon, là, par contre, ça va être un peu chaud. On fait la masse de VCS, pareil, là, tac, laboratoire, partout, laboratoire. Laboratoire, je sais plus quoi. On a des troupes ici, pareil, des bunkers. On va pouvoir rajouter des tourelles. Je sais plus quoi là, les tourelles pour avoir des lance-flammes. On va en foutre ici, ouais. Ouais, ça peut le faire. Charge, ok, c'est à 3,3%. Ok, dans 2 minutes on a une Nova. On a. Ok, bon, c'est bon, ça devrait le faire. Le cristal est ici, enfin l'artefact. Nous avons deux cuirassés à disposition. Ouais, ça va être tranquille. Mais je vous ai dit, on va faire. Je pense qu'on va mettre des tourelles. Chaque fois, j'oublie le nom. Bref, les tourelles. À lance-flamme. Déjà là, tac. Tac.
Tac. Attends. On va optimiser la prod. On va faire une deuxième arme. Oh, en plus ça se construit hyper vite, c'est magique ça. Tac. Bon, pas, je sais pas si on va beaucoup utiliser les les trucs là. Les usines, voilà. Oh là 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 là. Déjà ? Ah ouais, d'accord, ok, il y a des barricades en même temps. Ok, non, ça c'est bon. Ah si, on va peut-être faire allez, on va faire deux tanks pour l'instant. On va rassembler toutes les casernes. Ah, voilà, c'est bon. Ici. Et là, on va faire la masse marine. Il n'y a pas d'autre choix. On va juste attendre que cette extension soit terminée. On va aussi se faire les mercenaires, pour nous être très utiles, je pense. Et puis c'est l'occasion de finir avec des unités qui ont la classe. Va falloir que je fasse gaffe aussi au dépôt supply. Ouais. On va économiser un tout petit peu. Lui l'a fini, parfait. Toi, vu que t'es là, tu vas nous faire des dépôts supply et en plus, tu vas pouvoir nous faire des tourelles infernaux. Mais putain, mais tu t'es vu dedans, mais... Ah, et d'accord, ils attaquent. Ok, d'accord. Activer la nova d'énergie. Ça sert à rien. Ok, mais là pour l'instant, ça nous sert pas à grand chose. Déjà, on va ramener des troupes. On va ramener des troupes ici. Les prochaines vagues seront pour l'autre côté. On va foutre un deuxième tank ici parce que ça va vraiment être très utile. Les tanks, c'est la vie. Et on va les améliorer, hein. On va taker là, je pense. Hein. Vraiment tout. On va faire les véhicules, enfin vraiment tout. Pareil, les banshees, on va en faire. Mais pas tout de suite. Les mercenaires. Attends, on va peut-être faire des cuirassés. Ouais, on va faire des. Ouais, mais ça vaut trop cher les cuirassés. C'est quoi que vous voulez ? On va essayer de faire ça, j'ai jamais essayé. C'est l'occasion d'innover un peu. On va faire du médic aussi. Voilà, on va faire la masse. Pas assez de minerais. On met les mules, les troupes sont attaquées, aucun problème. Toi tu vas reculer mon chou. Hop, dans le bunker. Pas question que vous mouriez. Wow, par contre. Ah, les tanks qui se sont fait atomiser là. Je vais peut-être en refaire, ouais. Je vais refaire des tanks. Ah, des torts aussi, j'avais pas pensé. Bon, par contre, ici on va mettre la masse marine ici. Charge de l'artefact 15%. Bon, ok. Je pense pas que ça. Ouais, il va sûrement y avoir des. Merde, dépôt de ravitaillement. Bref. Là, on va faire les dépôts. Il va y avoir des petites péripéties, à mon avis, durant cette mission. Ah, ben voilà. Voilà. Ah oui, les techs. Faut pas que j'oublie les techs. Toi, tu viens faire ça après. Ça. Voilà, là, on tech bien rapidement. Ça, par contre. Ah oui, ça peut soigner. C'est bon, ça. Oh putain, il a la classe, le mec, sur l'image. On va en foutre un chat de côté. Ça nous sera très utile. Oh, bon, les verres du Nidus, ils se font. Été. On va surtout se servir des unités aériennes en tant que unité de soutien. On a encore des tanks, on va les foutre là-bas. Ouais, on va maxer les tanks. Tu vas aller là. Ici, tu vas aller ouais sur l'autre partie de la corniche. Vers du Nidus. Bon, attends, on va aller péter ça. Tac, tac, tac. Ici, il y a des poulets de lave. Voilà, allez, il faut les péter parce que sinon ils vont s'en servir, on va vite être dépassé. Heureusement on a la nova d'énergie en plus. Par contre ça bouge du temps de recharge. On va essayer de pas l'utiliser une seule fois. Parce qu'à mon avis ça doit être un haut fait. Je suis sûr que ça doit être un haut fait. On va faire des flammeurs aussi. On va se marrer avec les flammeurs. Réception 5/5. Oh il est là. Oh la flemme d'y aller. C'est parti. J'aime bien aller, toi je suis sur. Ah voilà. Toi, t'es produit.
tu vas aller ici. Ouais, non, ils ont déjà assez de médics. On va aller le faire ici parce que là, ils ont. Ça roule. Et en plus, il peut irradier une cible. D'accord, et ça inflige des dégâts sur la durée. Ça, ça peut être très pratique. Alors là, c'est du massacre. Là, regarde, ils arrivent même pas à atteindre le truc. J'ai même pas besoin de faire de tourelles. Puis là, en plus, nos cuirassés font face aux unités aériennes. On peut maxer l'économie, on peut se le permettre, ça aussi. Ah merde. Ah d'accord, ok, c'est des vers de Midus. Ok, c'est bon. On est déjà au max de la production d'unités. Ok, on va aller se marrer un peu avec les flammeurs, on va faire du barbecue. Là on a de quoi en plus. On a nos Banshees qui défendent la base. Wow. Ouais, tranquille. Là on est posé, n'empêche. Hein. Vous voyez, 4 flammeurs. Ah oui, alors par contre, faut absolument pas que j'oublie les techs. Toutes les techs. Ouais, non, c'est pas terminé encore, c'est bon, on a le temps. De toute façon, on sera juste cheaté. Hein. Hop. On va leur mettre. Attendez, j'allume la lumière parce que. Voilà. Parce que je vois que dalle. Un petit peu de steam. Ouah, je me fais couiller là. Mais c'est con, ils étaient pas en train d'attaquer. Waouh, ils ont pris cher. Hein. Ah, ils ont pris très cher. Oh là là, putain, ouais, là par contre, il y a de l'autodestruction. Il y a deux tanks qui sont autodétruits. On va les mettre là-bas, les flammeurs. Ils ont plus besoin, apparemment. Si on peut. On va faire des tanks. Ouais, on va voir. On en est à 27% de la charge de l'artefact. Ah, c'est vraiment pratique. Regardez ça, c'est du massacre. Amélioration terminée, ok. Tac. Hop. Voilà. Donc là, ils seront au max. Tac. On peut en plus. Allez. On va pas assez de gaz Vespen. J'ai pu faire quelques unités d'élite, mais pas encore. Comment ça, aller en approche? J'en ai assez des intermédiaires. Salut, bitch! Il est temps de mettre personnellement la main à la pâte. Est-ce qu'il y avait un sous-entendu là-dedans? Coquine! Mais elle va prendre cher, là! Non, mais viens pas, poupée, non, je veux entière! Ah, c'est bon, ça! Ah merde, il est pété en fait. Ah oui. Ah mais elle est overcheatée. Allez, le steam. Ah d'accord. Oh, elle est overcheatée. Bon, elle s'est cassée. Ah, tu vois, regarde, je suis avec. On l'a repoussé. Gardez la cadence. On va foutre deux autres tanks. Point de sauvegarde atteint. Wouh. Bon bah. On se marre, moi, j'ai envie de dire, pour cette dernière mission. Ah, on a nos marines se délite. Tac, toi tu vas te placer ici, voilà, comme ça. Oh là là, les flammeurs, comment c'est. Regarde-moi ça, comment ça brûle. Ça brûle bien, ces merdes-là. Hein. Ouais, on a quand même perdu du peuple. Hein. Ici, on va faire toujours les petites unités d'élite qui vont bien. Ici, on va attendre un peu avant de. Tac. Regardez-moi ça, c'est pas beau ça. Ici ils sont toujours OP, nickel. Bon, tout va bien. Bon, en fait c'est surtout ce côté là qui craint un peu là. Là on va foutre les chars d'élite. Vous allez voir que ça va faire bobo. En plus les petits Goliaths, juste peut-être les Goliaths, on va les mettre là-bas. Voilà, les Goliaths ils seront très bien ici. Et là hop. Voilà, regardez-moi ça. Ça c'est du tank d'élite. Ah oui, par contre ici j'avais pas vu. Ils se sont bien fait pourrir. Tac, et ben voilà, des vikings. Les vikings d'élite aussi. Regardez-moi ça, on va les mettre à terre. Oh là là, c'est un massacre. Tac. Ouais, non, merde, c'est ça. Voilà. Bah, ils se font bien pourrir, hein, quand même. Hein, les ultralistes, si je dis pas de conneries. Ouais, y a ces merdes là aussi. Allez, on produit.
toujours plus, hein, il nous faut plus. Les Marines là-bas, ouais, parce que... Bon, là, ça va, tu vois. Ah, ils se font tout près, là, ils passent pas. Là, ils ont même pas le temps de passer. Ah non, ils passeront pas, hein. Par contre, faut faire gaffe, les... Bon, ils se font sauter la cervelle. Les tanks, là, c'est limite, hein, c'est... Vous voyez, là. Heureusement que... Il y a pas mal de... Allez. Oh là 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 là, c'est le massacre. Maintenant c'est du côté. Oh là là. Ah, faut faire gaffe, hein, les gars, collatéraux là. On va faire des medivacs, tiens. Ouais, on va les emmener ici. Ok, bah c'est bon. Amélioration terminée. Ok, nos marines se sont cheatés. Je vous l'annonce. C'est officiel. Par contre, là, nos tanks sont pas encore assez cheatés. Commandant, je détecte une nuée de dominants qui arrive vers vous. De quoi? Préparez vos défenses anti-aériennes. Une dominants. Mais c'est quoi les dominants? C'est ça là? Eh oui, les dominants, c'est ça, on s'en fout, défense anti-aérienne. Regarde-moi ce que je te dis, les défenses anti-aériennes. Allez, par contre, là, je sais plus. Allez, il faudrait que certains d'entre vous meurent, les amis. Oh, des nuées de dominants. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que vous avez, les mecs, là? Ils sont tous pétés, là? Regarde-moi ça, comment je les vis. Comment je les extermine. Comment cela se fait-il? Ah oui, parce qu'il largue des trucs, d'accord. Ok, il y en a un, il a craqué son slip. En fait, ouais, il... D'accord, ok, j'ai compris. Il y en a un, ils pètent leur petit câble, là. Il y a deux dominants, là, ou je sais pas quoi, là. Voilà, moi, je fais le truc d'élite, hein, là. Ah, d'accord. Mais désinfecté. Ah oui, et ils font mal, hein, ces salauds. Encore? Je vous balayerai tous de mon monde. Putain, c'est chiant, par contre, la nuit de l'humain. Attends, regardez-moi cette arme OP, quoi. Merde. Oh, bah, tiens. Ah, on peut les refaire, les mercenaires. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Ce cuirassé d'élite. Oh là 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 là, ça c'est beau, c'est métal. Oh, c'est quoi le problème encore? Non. C'est en train de... Putain, ils sont chiants quand même, hein. Eh, mais qu'est-ce que vous attendez, vous? Oh là là, c'est la merde, hein. Ah, c'est un peu la merde. Kerrigan s'est réfugié en sous-sol. Continuez à arroser. Ouais, ils font un peu chier quand même, hein. Je vous le cache pas. Ok. Kagan s'est retranché, je sais même pas où elle a été poutrée. Ouais, il commence à... Ouais, à ramener pas mal de monde, hein. Tac, on va refaire du people. Nous, tant qu'on peut faire du people, on en fera. Ok, là, on a de quoi se faire la masse de mules. Et mules, toujours plus de mules. Et notre cuirassé d'élite. Ah, j'avais oublié, j'ai la charge Nova aussi, mais on va pas l'utiliser. Voilà, comme ça. Tac. Waouh. Commence à bien. Ah ouais, il y a des chancres d'élite là, j'ai l'impression. Ah mais attendez. C'est pas une unité de fuck. Ouais, ça commence à être vraiment chaud patate là. Ouais, production. Hein. On n'arrête pas la prod. Tac, voilà. Ah, surtout sur ce côté là, hein. Tac, allez, hop. Ah, et les pauvres vers de Midus, ils n'ont pas le temps de se former. Ici, hein. Vous avez bien ici. On va mettre d'autres chars aussi. Mayday, mais qu'est-ce que t'as, Mayday? Ce serait peut-être le moment d'utiliser la Nova de l'artefact, commandant. Ah bon? Ah, je vois pas vraiment, moi. Bon, allez, juste pour vous, hein. C'est juste pour vous. Voilà.
C'est bien parce que vous me l'avez demandé, hein. Mais c'est tout. Amélioration. Ok. Ah mais non, d'accord, ça décharge pas là. Ok, bah si j'avais su, putain, mais je m'en fous alors. J'aurais dû le faire tout le temps. J'espère que c'est du sérieux. Bon allez, on va remettre du Marines dans le coin là parce que ça pue un peu. On va mettre des Medivacs. Mais sinon on s'en sort plutôt bien, enfin moi je sais pas ce que vous en pensez. Arrêt à rouler. Voilà, deux petits chars là. Certainement. Mais ils mettent... Deux petits chars bien posés là. J'ai pas la patience. On va ah faire. Voilà, comme ça, c'est certain qu'ils passeront pas, on va en ramener là-bas. Ah bah il y a deux chars d'assaut de lui donc on s'en fout. En plus là ils sont améliorés au max, ils font du dégât comme pas permis. Si on a 2-3 petits marines là qui se la touchent en fait, il faut rien. Là ouais j'ai pas assez. Ouais. Mais ce... oh là là, la revanche de Jackson. Regardez-moi ce cuirassé, il est juste mortel. Non, j'ai même pas le temps de... C'est quoi, Mayday, Mayday? Envoyez les instructions. Ah, mais d'accord, en fait, depuis tout à l'heure, ils prennent cher. Ok. Turbine au maximum. Voilà, turbine au maximum. Vous allez être invisible. Comme ça, vous ne casserez pas les couilles. Les missiles des Vikings ont fait des dégâts de zone. Oh, c'est pété, ça. Okay, ils peuvent rien faire, les pauvres. Ah, il y a des Spines aussi, ils en ont des Spines, ils sont drôles. Mais regardez-moi ces chancres. Ils sont pas normaux, je crois. En vrai, ils sont améliorés, je crois. Oh, les pauvres, ils ont même pas le temps d'arriver, quoi. Et vous, au lieu de servir à rien, venez là, quoi. Oui, commandant. Ouais, comme ça, vous servirez à quelque chose. Non, on peut toujours pas. Ouais, il faut tout le temps avoir 6 de... Comment ça s'appelle? 6 de ravitaillement pour pouvoir faire nos mercenaires. Alors qu'est-ce qui se passe? Encore? Ah, Kerrigan. Ah ah, salut poupée. Pauvre idiot, vous n'auriez jamais dû venir ici. Bah si. Si. La preuve, hein. T'as les mains qui brillent. C'est joli. Ouh, et puis t'as des plantes tellement swag. Ah, mais c'est un peu dégueu par contre. Je sais pas de quoi c'est fait, mais à mon avis c'est pas très naturel. Je vais les faire reculer quand même. Là c'est... Wow! Holy shit! Elle fait mal la bougre. Ah ouais, là elle m'a bien pourri là. Là je dois dire qu'elle m'a bien pourri. Tenez la position. Là j'avoue que... Ah, point de sauvegarde atteint. Elle m'a bien pourri. D'ailleurs, ils m'ont pété mon bunker. Tac. Ah ouais. Non, là, c'est la merde. Ah ouais, de ce côté-là, c'est la merde. C'est la grosse merde. On va ramener des Marines, hein. De toute façon, chaque Marine a son utilité. Hein. De toute façon, ils sont pétés, hein. Oh mais regardez ça. Oh là là. Oh là 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 là. Les Vikings aussi. Regardez si c'est pas beau ça. Bah tu voles. Oh là. Oh. Oh putain. One shot. Et regardez-moi ça. Les sorbellis qui one shot. Ah. Ah ils font mal hein. Ah oui mais ils prennent cher aussi. Et ils ont toujours pas fini la merde. Bah si. Ah d'accord, c'est parce que je les ai pas lancés. Les petits Medivacs. Toujours de la prod. Faut pas s'arrêter hein. On s'arrête pas, on produit tant qu'on peut. On va faire des chars. On va ramener des petits Marines. Bon ici c'est bon quoi, ça va. Les cuirassés, les tanks quoi. Ah oui par contre ils m'en ont pété ici, d'accord. J'ai la Nova, bah on va l'utiliser. Écoutez, non. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, on va garder encore là. On arrive à 70% de charge. On va voir ce qui se passe. Mais pourquoi ils ont tous la tête de Ticus, les mecs qui sont.
les Marines. S'il vous plaît, produisez-moi des plus de Marines. Si, plein de nuls. Ah voilà, deux tanks, c'est tout ce qu'on attendait. C'est parti. Envoyez la zone. Ah là. Tirez la cible. La roule. Ah. Et un tank là. Et on va en refaire. Ce que l'on aime les tanks. Ouais, ça commence à bien arriver du côté gauche. D'ici s'en sortent, mais je vais en rajouter. Là par contre ici. Ok. Oh les dérèglements sismiques. Ici est-ce que ça. Ah, vous allez être ça. Submergé. Utilisez l'artefact. Balancez la Nova. Ok c'est parti. Wouhou. Oh. Au fait royal. Magnifique. Ça c'était bien joué. Par contre les vers de Nidus ça les fait pas comme si vous. Putain, c'est Bagdad ici, hein. Ouh là 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 là. Ça pète dans tous les sens, hein. Ici, je crois qu'il y a... Ils se sont autodétruits, les chars. Je vais y mettre le paquet. J'ai cru que... Je vais y mettre la main dedans, bref. Bon, je vais ramener un char là-bas. Tac, ils ont bien. Mais eux, ils ont les chars d'assaut, donc c'est délicat. Ah, ben lui, on va le mettre sur la corniche. Quelle est la cible? Ah c'est ça l'idée. On va remettre. Boule. Ah bah je peux plus. Mets les pieds où je veux. Voilà, comme ça c'est parfait. Vous allez être au premier rang. Et bah voilà. C'est parfait tout ça. Oh là là, la puissance des chars, nom de Dieu. J'aime. Et on a 11 000 de minerais. Ah oui quand même. J'avais pas remarqué, j'avais pas. Bon, sinon ça se passe bien, voilà, ça, ça va se finir. Et ils envoient, je sais pas combien ils en ont, mais voilà. On arrive à 80% de charge. Y'a pas moyen de l'améliorer. Ah, les chants, faites gaffe aux chants. On a perdu un homme quand même, on était à 200. On a dû perdre un pauvre marine qui s'est fait exploser par les dégâts collatéraux. Ah ok, bon alors là ça va commencer à devenir un peu chaud. Pauvres idiots. Oh les chancres, les chancres. Vous jouez avec des forces au-delà de votre entendement. Bah ça c'est ce que tu dis poupée. Attends, on va voir ce qu'on va faire avec. Ah oui par contre les dominants c'est chiant. Heureusement qu'on a notre cuirassé maintenant. Ils en chient quand même hein. Non, reculez, reculez. Ah. Ah merde, merde. Oh shit. C'était pas ce que je voulais. Le petit. Ah le petit steam. Petit stimulant. Tu vas bien. Trop large. Shit. Faut pas la lâcher. Ah merde, ils ont détruit le méga cuirassé de la mort qui tue. Fuck. Ah vous voyez ça c'est chiant. On va en refaire un. Et il faudrait un. On va ramener un médic là-bas parce que c'est un peu la merde. C'est quoi ça? Ah, c'est un maraudeur d'élite. Oh putain, ça, ça a la classe. Hein. Ils ont toujours pas détruit le bunker hein, ici, par contre. Ok, ça... Oh oui, en plus, ça peut soigner deux personnes en même temps. Ça, c'est optimisé. Voilà, ça, c'est optimisé. Comme on aime. Hausse de la productivité, gain de prod. Oui, oui, oui. On a réussi à faire... Ok, en plus, nos... nos Banshees sont cheatés, un peu comme toutes nos unités d'ailleurs. Alors je suppose que là... Non on peut pas, ouais. On peut pas. Ah. Oh putain le Nidus, comment il s'est... Ils envoient les petits Zerglings. Ah c'est sympa, j'ai bien fait de mettre des tanks là. Ok, ça c'est bon à savoir. De l'aide, de l'aide, de l'aide. Où ça ici, bon, ça va, regarde. Notre Medivac fait très, 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 très bien le boulot. Toi, tu vas te mettre plus ici parce que c'est. Et t'es complètement cheaté en plus. Et lui, il est là, en première ligne. Saluons le courage de Spartiate. Il est bien cheaté, il faut l'avouer. Je pense que je vais ramener au moins.
deux VCS. Ah, mais d'ailleurs, les VCS, ils... Non, c'est... si, ils ont une petite amélioration graphique, vu que je les ai améliorés. On va les foutre là, et ils vont aller réparer, parce que... ici, ouais, non, y'a pas besoin. Est-ce que... Ah, notre cuirassé est prêt. On va l'amener là-bas, voilà. Ici, on sera bien défendu. Oh, putain. On recule. Non, recule. On recule. Ici, on va le mettre. Et la petite Tenova. Oh, voilà. Ça nous libère un petit peu et on a perdu beaucoup d'unités là. Ouh là 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 là, on a joué. On va les foutre là, les deux tanks, s'ils arrivent à passer. Absolument. Ils arrivent à passer. Par contre là, j'en aurais moins. Bon, c'est bon. Métal hurlant. Voilà. Ici, pourront défendre de là, ouais, c'est parfait. Là, on est bien protégé de ce côté-là, enfin de ce côté-ci. On va refaire du Marines. À gogo le Marines. Avec un petit Medivac, puisqu'ils sont très très bien optiles, les Medivac. Et ils ont bien tenu, hein, nos chers tanks. Ouais, bon, l'énergie de l'artefact est en train de culminer. Tenez juste encore un peu. Oh, t'inquiète, papy, là, je crois que ça va. Hein. Les pauvres vers de Nidus, ils arrivent pas à survivre. Quoique. Ici, c'est quoi, c'est une base? Ouais, en fait, c'est un espèce de tower defense, cette mission. Pseudo tower defense. Regarde-moi ça, c'est du massacre. Allez hop. Il est là. Là, ils sont là, ils sont en petit groupe, ils barrent le passage et ils sont toujours pas morts. Non mais là ils passeront même plus la petite pompée là, c'est terminé. Terminé là. La colline est protégée, c'est tout ce que j'ai envie de dire, hein. Et pareil, les Sherlings qui essayent de monter là, c'est bon, c'est terminé, mec, vous passerez plus, c'est terminé. Ah, si peut-être. Bon, ok, vous avez réussi à monter, vous avez de la chance. Oh là là, c'est... J'ai failli attendre. Allez, ici on va ramener du... On va quand même ramener du people. Hein. Oh, elle va encore se ramener, mais... Putain. Ça n'a que trop duré. Il est temps de mourir. Ouais, elle va se ramener ici. Donc, ouais. Je pense qu'elle va nous y un tank. Oh là là, le Goliath qui résiste et se fait réparer en plus. Hein. Lui, il est là depuis... Ah ouais, sympa, il est déjà réparé. Ah ouais. Ah mais merde, le cuirassé. Oh. Oh, le petit lag, je m'en excuse. C'est pas prévu. Même pas besoin du steam, tu sais. Ouais, par contre, tu c'est... pour cette trahison. Ouais, de toute façon, c'est la fin. Hein. N'abandonne pas. Si. Sarah. Elle est en train de craquer. Oh. Oh non. Son double dans le monde des gentils, il revient. Oh, c'est tellement beau. Bon, par contre, ici, je vais ramener des gens. Hein. Excusez. On va ramener des Banshees d'élite. On va mettre tac comme ceci. Ok, c'est la fin. Wouh. Il est chargé à bloc. Oh, la musique de rock. Oh, il se lance là. Waouh, profitez bien. Miaou. Lol, ça a tout grillé. Waouh, là c'est le maxi barbecue, hein, c'est... Avec un peu de melon, avec un peu de vache qui. Je déconne. Et quel bel écran blanc. Mission terminée, 2 au fait. Superbe. Ah, 4 au fait en tout, sans compter l'autre. J'ai gagné un portrait. Ah, c'est super.
Bah j'ai plus qu'à me refaire la campagne en mode ultra difficile hein, pour avoir tous les hauts faits. En tout cas la mission est terminée. Bon, je vais vous laisser là, je pense qu'il y a une cinématique. Ouais. Ça. Vous avez vos ordres, monsieur Finlay. Obéissez. Ticus, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait un pacte avec le diable, Jimmy. Elle meurt, je suis libre. On a tous des choix difficiles à faire. Quel gâchis. Jim. Tout va bien. Je suis là. C'était beau! J'ai des frissons tellement c'était émouvant! Oh là là, putain, c'est du grand art! Ce jeu, c'est une. C'est une réussite pour moi. Voilà, ça c'est la campagne comme on aime. Bon, après, c'est sûr, ils en mettent plein partout, mais bon, c'est ça qu'on aime. J'ai envie de dire, bon, bah, j'ai plus qu'à me faire la suite, hein. Mais alors là, à en croire le jeu, enfin, c'est la fin de tout, vu qu'il a libéré. Ah non, peut-être pas. Ah oui, je crois... Ah mais non, je crois que dans... Out of the Swarm... oui, elle est dans un laboratoire. Alors, ouais, faudrait que... Bon, en tout cas, là, elle avait l'air d'être à peu près humaine, à part les cheveux. Hein. Ils sont encore un petit peu chelous. Mais c'était beau. Hein. Et Ticus. Ticus, le salaud! Le salaud! Ticus, il avait fait un pacte avec l'autre enculé, là. Pardon pour le vocabulaire, mais... Avec l'autre empereur, là. Et il devait la tuer pour être libre. Et au final, il s'est pris une putain de balle dans la tête. Voilà. C'est con parce que je l'aimais bien, Ticus. Oh putain. Oh, la musique de métal. De rock. Je sais pas vraiment ce que c'est. Plus. Ah, ok. Bon, on va mettre à la vitesse maximale pour que le truc il passe parce que c'est vrai. Oh, la musique et tout. Putain. Non, mais là, ils ont fait un boulot. De fou, hein. Tous les mecs là. Ah, ils sont beaucoup. Et je vois pas mal de noms asiatiques. Ouais. On se demande pourquoi. Ouais. Je
Je sais absolument pas ce que c'est que cette musique. Mais en tout cas, ça va. Pour la fin, ça gère. Ah ouais, d'accord, ok. Ils ont carrément, ouais, ils ont pris des... Ah, les voix. Merde, j'ai pas le temps de voir. Tant pis. Bon, je regarderai le crédit et puis je regardais les voix pour voir s'il y avait des gens, enfin des connus. Pas connus, mais peut-être qu'on sait jamais. Des célébrités, hein, qui doublent, on sait jamais. Tout est pareil. Oh yeah! Par contre, on est obligé de le passer, attendez. Ah, je suis con! Ah là là. Voilà. Campagne les ailes de la liberté. Terminée. L'invasion Zerg a été arrêtée et la reine des lames, Sarah Kerrigan, a retrouvé sa forme humaine. Mais la victoire a coûté cher. Ticus Findlay est mort et Arcturus Menx conserve son trône. Découvrez le destin de Kerrigan et celui des Zerg dans Heart of the Swarm. Le prochain chapitre. Ah, d'accord. Le destin de Kerrigan dans ce... Ah oui, dans le labo et tout. Et celui des Zerg. Oh putain, Ticus il est mort quoi. Mais non. Au fait 40%. Ouais, va falloir que je me le refasse. Hein. 3 semaines ont passé depuis l'invasion de Char par les Terran. Au fin fond d'un laboratoire de recherche secret du protectorat Humojan, Sarah Kerrigan affronte les ténèbres de son passé et son avenir incertain. Ah bah tiens, j'ai hâte de la voir. Franchement. Oh, c'est superbe. Et le fond a changé. Wouh, c'est la teuf. Oui, vous pouvez constater mon ancien pseudo. Ah, j'ai que 1015 de... Je pensais avoir plus, moi. Ah non, j'ai peut-être pas actualisé depuis longtemps. Non, j'ai que 1015 de au fait, tiens. C'est bizarre. Au fait... Ouais, on va voir. Non, je sais pas. Récompense. Portrait. Alors, j'en ai pas débloqué beaucoup des portraits, mais... Ah, conflit de génération, j'ai débloqué celui-là. Ah, sympa. Ah, j'ai débloqué Kate Lockwell. Attendez, on va se mettre en Kate Lockwell. Elle était sympa, Kate Lockwell. Par contre, j'ai pas eu... Ouais, la plupart, faut les gagner en multi. Hein. Ah, et puis, faut atteindre des niveaux et tout. Bon, quand j'aurai Heart of the Swarm. Voilà. Bon, je sais pas quand, mais je l'aurai un jour. Hein. Ça, c'est certain. Enfin, c'est pas certain, mais bon, voilà. Donc, sur ce, les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Hein. Donc là, je peux enfin dire qu'une série est... que cette série est terminée, de même pour Black and White 2, qui va reprendre bientôt, vous êtes nombreux à me le demander. Black and White 2, je le referai quand j'aurai ma carte, c'est-à-dire peut-être la semaine prochaine, ou peut-être la semaine d'après la semaine prochaine. Voilà. Puisque c'est la fin du délai de réparation, normalement. Donc voilà. Donc plus de Starcraft, c'est terminé. On m'a proposé d'autres idées de let's play aussi, donc je vais voir ce que je vais faire. Je vais voir, j'ai plein d'autres jeux à vous proposer, mais j'hésite aussi à attendre la carte et par exemple à faire beaucoup de Prison Architect. Je sais pas, je vais voir. Donc aussi réfléchissez. Regardez quel type de miniature vous ferait plaisir. Donc je rappelle avec soit les images du jeu, des captures d'écran, ce genre de truc. Ou alors un truc très très épuré, parce que je veux vraiment un truc très épuré. Par exemple un fond de couleur avec le nom du jeu écrit, le numéro, enfin voilà. Soit avec soit avec l'image du jeu, soit sans. Et après je me débrouille, je trouve un truc. Voilà, donc pensez-y si vous voulez, puis répondez dans les commentaires. De toute façon je les lis tous, sachez-le. Donc sur ce je vous dis à la prochaine et portez-vous bien, salut à tous.